Allez, salut, ici Kima pour le second Weekly Fighting, le récap de la série des jeux de combat. Il s'est passé quoi cette semaine sur les streams jeux de combat? J'espère que vous êtes prêts, car ce pressing est full positif en garde. Ah, Street 2, la bonne époque, le début des jeux de combat, la source de tout, et bah, c'est un jeu putain de cruel en fait. God again, what a defense. Oh, nice little forward into sweep. Did an uppercut that. Uppercut. Oh, it would have uppercut that shit. Wow. Finally. Walk up and throw. And that's it, that's it. Yo! What? Yo! Oh. Amazing, what did he do? Et ça se plante d'équilibrage dans la FGC, bande de fous. Vous vous rappelez l'année dernière, pour les débuts du Weekly, Momochi, armé de son Dan, faisait rage quit ses adversaires à coup d'infini. Eh bien, sachez que rien n'a changé. T'inquiète pas, on comprend ton désarroi, Momo. Vous savez, dans Street Fighter V, il y a ceux qui prennent le bon V-Skill et ont l'avantage dès le début, et il y a ceux qui choisissent le V-Skill 2. Tous les moyens sont bons pour être dans le Weekly Fighting. Vous vous rappelez de Dickinson dans Guilty Gear Strive? Mais si, le perso chelou avec son cercueil là. Eh bien sachez qu'il ne fait pas bon remplir sa barre de sang avec Nago quand vous êtes face à lui. Well, Dodgy swinging on plus 3, let's go. We love to see it. Bye, Otachi! Bye! Allez, à plus, Otachi. J'imagine que vous aimez tous Mai dans Guilty Gear Strive. Vous trouvez ce perso hyper intelligent. Mais avez-vous déjà vu deux Mei dans le même match? On dirait des mineurs, tu sais. Arctal et son fameux pouvoir. Ah bah Arctal. Yo! Allez, on est là, on est présent, ça va pouvoir se faire. Non mais quelle bande de sacs. Sakoyalo. Belle profondeur de jeu, n'empêche. Reza et Kayane ont fait un stream pour expliquer la hype autour de Dragon Ball FighterZ. Mais sachez qu'il y aura qu'une seule chose à retenir de ce stream. C'est que quand Kefla devient Kefka, ça se transforme en Kefta. Avec, ben voilà, c'est mes persos du cœur. Full girls. Elle a juste il y a Kefka, Kefka. Kefka, Kefla. Kefka. La vie doit Kefta, mon frère. Mais Kef. Mais Dancing Mad, Final Fantasy 6. Attends. Allo, chef. Ouais. Tu mets un Kefta, s'il te plaît. Salade, tomate, oignon grillé, olive noire. Biggie. Kefka. Biggie Andalouse barbecue. Ouais, mon ref. Ah, fais ça, Kefka. Super. Tu mets un interminable pour moi, je passe chercher ça dans 20 minutes. Ouais, elle rigole à côté parce qu'elle veut manger de la Kefka. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, t'inquiète, mon ref, c'est Kefta, c'est avec l'accent, elle dit mais Kefka, non. Mais c'est de la Kefta. Ouais, mon ref, vas-y, la bise, on s'attrape. Bah. Nous, on prendra une grosse portion de frites sauce Super Saiyan, s'il vous plaît. Allez, voilà, c'était Kima pour le second récap de cette saison. J'espère que vous kiffez toujours autant le format. N'hésitez pas à me faire un max de retours via YouTube ou Twitter. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.